Voulons sans plus tarder passer à la parole de Dieu dans cette première session. Et après la première session, nous aurons un petit moment de pause. Et puis nous allons reprendre notre deuxième session à partir de 19h. Et sans plus tarder, je vais inviter ici l'homme de Dieu, l'évangéliste Freddy. On acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Bonsoir. Comment ça va? Et vous êtes là? Amen. Ah, ok. Amen. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore ici ce soir. J'aimerais encore réitérer. Moi-même, je suis impressionné quand je parle français comme ça. Mes remerciements au pasteur Douglas, sa femme et toute l'équipe pastorale pour cette marque de confiance, pour nous avoir invités pour venir participer à la première édition. Amen. Et je suis le président fondateur, j'aime ça, président fondateur, amen, d'un ministère qui s'appelle Joshua Generation Ministries. Et nous sommes basés en Australie, à Melbourne. Amen. Et puis si vous sentez que non, mon français commence à aller un peu à gauche, comprenez seulement mon émotion. Avant, je parlais mieux le français. Maintenant, avec l'anglais, ça devient un peu compliqué. Amen. Maintenant, quand je vais commencer, parce que si je commence à parler l'anglais, si vous serez vraiment impressionnés. Mais quand je parle l'anglais chez moi, à la maison, mes enfants me disent, tu dois apprendre l'anglais. Amen. Donc maintenant, et le français et l'anglais, c'est moitié-moitié. Amen. J'ai amené quelques produits. Le problème avec le corps du Christ... Nous aimons toujours investir dans des futilités, dans les souliers, les sacs, la nourriture, mais nous ne voulons pas investir dans les choses sérieuses. Amen. Vous savez, les matériels là, qu'on a amenés, il y a un concert qu'on avait fait en Australie. Vous conseillerez vraiment d'acheter cela. Bon, on m'a dit que hier, le DVD ici, c'est 10 euros. Donc, c'est 10 euros seulement. Et puis, il y a des messages. Il y a un message que je vais aussi vous recommander d'acheter. Ça s'intitule « L'Afrique, il est temps ». Je crois que c'est le temps de l'Afrique. Et Dieu est en train de patienter afin que nous puissions grandir l'Afrique. Parce que je suis tellement persuadé et convaincu que l'évangile du fin du temps, c'est nous qui allons l'apporter. Amen. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Et Dieu compte sur nous. Je vous ai, donc le message là, quand tu vas acheter ça, ça va vraiment révolutionner ta façon de voir les choses. C'est un message, ce n'est pas un message raciste. Mais c'est un message pour ramener la pendule à l'heure. Amen. Parce que les Africains, on souffre d'un complexe d'infériorité. Je ne sais pas si ça vient d'où. On pense que tout doit venir de quelque part. Et l'Afrique, nous sommes toujours comme ça, main tendue. On attend tout. Des fonds, vous connaissez les noms de ces choses-là, c'est FMI. Mais au même moment que vous, on attend tout de ces pays-là. Et ces pays-là existent à cause de l'Afrique. Ça, c'est énervant.
C'est ça le problème, c'est ça d'ailleurs le message. Parce que nous sommes en train de parler du royaume. Et maintenant, nous les chrétiens, nous pensons que l'église c'est le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu est plus grand que l'église. Dites Amen. C'est pour ça que les gens viennent à l'église 10 ans, 5 ans, rien ne marche. Tu viens, tu chantes, tu lèves les mains, tu tournes, tu sautes, tu rentres à la maison, la même situation. Et les gens rétrogradent, disaient, oh, ces choses-là, ça ne marche pas. Mais je crois qu'il est temps que nous puissions prendre notre responsabilité. La Constitution dit que aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se diffère pas à un esclave. Tu peux parler en langue, mon frère, ma soeur. Si tu ne prends pas ta responsabilité, tu vas tourner dans le désert et puis tu meurs, tu vas au ciel. Mais Dieu veut que nous puissions avoir l'impact sur la terre. Donc, hier, je vous ai dit, qui n'était pas hier ici? Okay, donc, la plupart d'entre vous, vous allez suivre le message des fois. Et je n'ai pas peur de cela parce que Oral Robert nous a dit qu'il ne faut pas avoir peur de prêcher le même message deux fois. Parce que quand tu as prêché ça la première fois, les gens n'ont pas bien compris. Amen. Nous allons prier. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Demandez à Dieu de vous parler parce que je suis convaincu que Dieu nous a appelés pour un but. Dieu ne fait pas les choses seulement pour plaisir, mais Dieu fait les choses pour un but. Et nous sommes ce soir en ce lieu pour un but. Et j'aimerais que nous puissions prier que le but là puisse s'accomplir ce soir. Prions au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. I can hear you. Hallelujah. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Saint-Esprit, nous te appelons en ces lieux. Nous saluons ta présence. Nous te disons merci pour ta présence en ces lieux. Seigneur, bouge comme toi seul, tu sais bouger en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous une onction qui rend l'enseignement facile. Au nom de Jésus, nous repoussons toute force de l'ennemi au bas de la croix. Et nous appliquons le sang de l'agneau en ce lieu. Seigneur, je recommande tout un chacun entre ta main. Parle, tes enfants écoutent. Seigneur, ce n'est pas vraiment si important que moi je sois glorifié en ces lieux. C'est important que toi seul et seul, tu sois glorifié. Non pas à nous, à ton nom seul donne gloire. Au nom de Jésus, nous venons ainsi de prier. Et l'église crie Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de rois, les seigneurs des seigneurs, le Tout-Puissant? C'est lui qui est l'alpha et l'oméga. C'est lui qui est le commencement et la fin. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Alléluia. C'est lui qui n'a ni l'ombre de variation. Il est Dieu par lui-même. Amen. Pouvons nous asseoir. Alléluia. Allons rapidement dans la Constitution. Pasteur Douglas, si vous pouvez nous aider à faire la lecture. Nous allons relire nos versets de base, ce qu'on avait lu hier. Nous sommes dans le premier livre de la Constitution, article 1, alinéa 26 à 28. Parce que nous sommes en train de lire la Constitution. Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image.
Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Révélation, Apocalypse 5, 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Allons dans le livre de Matthieu 6, 33. Le livre de Matthieu, ça se trouve entre le livre de Genèse et d'Apocalypse. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Lisons le dernier passage. Toujours Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu 4, 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Reprends ça encore. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous connaissons notre thème, c'est le royaume de Dieu est parmi nous. Amen. Bon, je vais pour les gens qui n'étaient pas hier acheter les DVD. On a un film, non? Je vais seulement faire le survol et puis on va décoller et puis on va aller. J'ai jusqu'à quelle heure? 18h? Combien? 15. Donc j'ai heavy 30 minutes. So on va décoller. Amen. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Hier, je vous ai dit que tu n'es pas sauvé pour aller au ciel. C'est ça notre problème, c'est ça notre dilemme. La religion nous a tellement malmenés. Les gens sont sauvés seulement pour offrir l'enfer. Pour offrir l'enfer, pour aller au ciel. Mais la Constitution nous dit que non. Nous n'allons pas passer l'éternité au ciel. Mais nous allons passer l'éternité où? Sur la terre. Au ciel, nous allons partir à la fête de l'agneau. On a la conscience dit que ça sera pendant 7 ans. Bon, je ne sais pas si c'est 7 ans. Parce qu'un jour est égal à 1000 ans, 1000 ans est égal à un jour. Alléluia. C'est pour ça que quand Dieu dit que je te verrai demain, il ne faut pas dire à tout le monde que non, Dieu va venir demain. Parce que le demain, là, ça peut être après 30 ans. Alléluia. Donc, le ciel, nous allons partir pour la fête. Et après la fête, nous allons retourner où? Sur la terre. Nous allons régner sur la terre. Et la cause dit que Dieu a préparé le royaume dès avant la fondation du monde. Alléluia. Vous devez comprendre comment Dieu travaille. Hier, je vous ai dit que Dieu, il est l'alpha et l'oméga. Mais quand Dieu travaille, il travaille toujours à l'inverse. Vous voyez cela? Dieu, quand même, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, les A et les Z. Mais quand tu vois Dieu commencer quelque chose, c'est l'évidence qu'il a déjà terminé. Parce que Dieu travaille comme oméga et alpha. Dieu termine avant de commencer. Cela veut dire quoi? Comme tu es là, ta vie est déjà terminée. Alléluia. Vous savez, la chrétienté, ce n'est pas quelque chose que nous devons faire. La chrétienté, c'est quelque chose que Dieu a déjà fait. Bon, il y a d'autres choses où il faut se acheter. Vous allez comprendre quand vous allez rentrer dans vos maisons. Parce que la religion nous enseigne que non, tu dois faire quelque chose. La plus simple définition de la religion, c'est l'homme qui cherche à atteindre Dieu. C'est ça la plus simple définition de la religion. L'homme s'efforce. C'est pour ça, dans toutes les religions du monde, les gens s'efforcent. Il y a même des gens qui se sacrifient pour leur Dieu. Il y a des gens qui portent des bombes pour s'exploser à cause de leur Dieu. Cela va te garantir une place auprès de ton Dieu. Mais la chrétienté, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Dites amen. Et nous ne mourrons pas pour notre Dieu, mais notre Dieu est mort pour nous. C'est ça qui fait la différence.
Nous ne mourons pas pour notre Dieu. Notre Dieu est mort pour nous. Et à la croix, Dieu n'a pas dit que non, une partie est accomplie. Il a dit tout est accompli. Tout. Donc la chrétienté, ce n'est pas quelque chose que you are trying to do. Tu essayes de faire. Non, c'est quelque chose qui est déjà fait. C'est déjà accompli. Tout était accompli. Ta vie. Parce que fois, je raisonne en anglais pour ramener ça en français. C'est pour cela que je dois poser. Alléluia. Donc cela veut dire que aussi longtemps que Dieu est concerné, votre vie est terminée. C'est pour cela qu'il y a d'autres prières que nous sommes en train de faire. Ces prières ne sont pas exaucées parce que ces prières, ce sont des insultes au ciel. Dieu ne peut pas renier sa propre parole à cause de ta prière. Vous savez que Dieu ne va pas te guérir si tu es malade. Parce que Dieu t'a déjà guéri. Par ce meurtrissure, nous... Vous parlez le français mieux que moi. Ça, c'est le passé composé, je crois. Par ce meurtrissure, vous avez été guéri. Donc, quand tu viens pour convaincre à Dieu que tu es malade, Dieu ne peut pas nier sa parole. Vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous devez comprendre comment le royaume fonctionne. Hier, je vous ai parlé sur Dieu a créé la terre. Et dans la terre, il y a deux gouvernements. Il y a le gouvernement de Dieu et il y a le gouvernement de l'ennemi. Mais tous ces deux gouvernements opèrent sur un seul territoire qu'on appelle terre. Et la Bible dit, les enfants de ces siècles sont plus sages que les fils de lumière. Vous connaissez cela, non? Luc 16, 8. Les enfants de ces siècles sont plus sages que les enfants de lumière. Cela veut dire quoi? Nous, les enfants de Dieu, hier, je vous ai dit que la Bible, ça se résume à combien de chapitres? Deux chapitres seulement. Deux chapitres. Chapitre 1, chapitre 2. Tout ce qui reste, tout ce que vous voyez dans la Bible, c'est le programme que Dieu a mis en place pour ramener l'homme au plan initial. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse faire quoi? Dominer sur la terre. Qu'il puisse assujettir la terre, qu'il puisse avoir la domination. C'est ça le but de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme afin que l'homme puisse aller au ciel. L'homme a été créé pour régner sur la terre et Dieu n'a pas changé ce programme-là. Et la Bible, c'est un livre légal, c'est un document légal, on appelle ça testament. Un testament, c'est un document légal. Ce n'est pas un livre religieux. La Constitution dit que les cieux des cieux est à Dieu et il a créé la terre pour le fils des hommes. Maintenant, il y a beaucoup de gens, même d'autres religions, qui sont en train de dominer, de régner. À l'hôtel là où je suis, juste en face, il y a un mosquée. Et on me dit que c'est le mosquée là, c'est le gouvernement français qui a donné la terre. Et aujourd'hui, même pour entrer, aujourd'hui c'est vendredi, pour entrer c'était terrible. Pour entrer à l'hôtel, on ne pouvait pas entrer. Parce qu'ils étaient pleins en train de prier. Et pendant ces temps-là, ces gens-là sont en train de dominer, d'avancer, de prendre des territoires. Pendant qu'ils sont en train de prendre les territoires, les chrétiens, nous sommes busy en train de prier. Bibliquement parlant, c'est anormal de prier pour l'argent. La prière là ne répond pas à l'argent. Même les jeunes ne répondent pas à l'argent. Parce que si ça répondait à l'argent, tu allais déjà devenir millionnaire.
dépasser le nombre de fois que tu as jeûné. C'est un acte d'ignorance de prier pour l'argent. Quand Dieu a fait la promesse à Abraham, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 18. La Bible dit quoi? Quand Dieu fait la promesse à Abraham, comme il est impossible à Dieu de mentir, Dieu n'a pas seulement fait la promesse, mais Dieu a juré. Des choses immuables, Dieu ne peut pas mentir et Dieu a juré. J'aimerais vous soumettre, il y a une grande différence entre une promesse et un serment. C'est serment ou bien sarment? Serment. Je vais vous montrer. Si je dis à l'apôtre, je vais te donner ma montre après le culte. Ça, c'est une promesse. Amen. On termine le culte. Quand seulement on termine le culte, frère Junior vient me voir et dit, ah, l'homme de Dieu. Mais je suis choqué. Il faut attendre ce que l'apôtre est en train de dire à propos de toi. Il dit, d'ailleurs, tu parles beaucoup. Alors je dis, ah, l'apôtre a dit cela. Oui, il parle des choses sur toi. Et puis, je vois l'apôtre qui s'amène. L'homme de Dieu me la montre. Je dis, non, je ne te donne pas. J'ai changé. Parce que j'ai fait une promesse. Et ce que j'ai entendu, j'ai changé. Non, je ne te donne plus. D'ailleurs, tu es en train de me critiquer. Et puis tu viens que je te donne ma montre. Non, je ne te donne pas. Alléluia. Ça, c'est une promesse. Mais quand j'ai fait un serment, quand j'ai juré, peu importe, quelqu'un dit peu importe. Peu importe ce que l'apôtre va dire ou pas dire à propos de moi. Mais comme j'ai juré, je vais donner ma montre. Alléluia. Et Dieu, quand il a fait la promesse, ce n'était pas seulement une promesse, mais Dieu devait jurer. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a regardé selon le coutume des hommes. Les hommes juraient toujours avec une autorité plus grande que eux. Alléluia. C'est pour cela que quand on était enfant, on disait toujours Dieu ma mère. Parce qu'on considérait que nos mamans étaient au-dessus de nous, n'est-ce pas ça? Alors Dieu aussi devait chercher quelqu'un qui est plus supérieur que lui afin qu'il puisse jurer. Alors Dieu, il a regardé en bas, il n'y avait personne plus grand que lui. Il a regardé en haut, il n'y avait personne plus grand que lui. Il s'est retourné à droite, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors il se retourne à gauche, il regarde, il n'y avait personne plus grand que lui. Alors il jure par lui-même. Alléluia. Il dit, béni, je te bénirai. Et quand tu es dans une alliance, l'alliance, cela veut dire que non, toi tu dois faire ta part, moi aussi je dois faire ma part. Et l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu a déjà conclu sa part. Sur le plan financier, si tu veux avoir le breakthrough, c'est quoi le breakthrough? Yeah. Dieu a déjà établi une loi. On appelle ça la loi du donner et du recevoir. Et il dit, aussi longtemps que la terre subsistera. Le problème que je n'aime pas les versets. Là, il y a d'autres versets, moi-même, je n'aime pas, mais je n'ai pas le choix. Aussi longtemps que la terre subsistera, le soleil. Le problème, la question que tu dois te poser, tu es dans quelle planète? Si tu es dans Mercure, ça va. Si tu es dans Jupiter, ça va. Mais si tu es sur la terre, aussi longtemps que la terre va subsister, la semaille et la moisson et la semaille, ça ne va pas stopper. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais la manière dont nous sommes en train de vivre, c'est
C'est anormal. Bien, mais si ton père est milliardaire et toi tu es, ta vie elle est comme une vie de, vous appelez quoi, les sans-abri, parce qu'il y avait un nom qui venait, la chègue, je ne sais pas si les gens connaissent. Cela veut dire que quelque part il y a quelque chose qui ne marche pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque part quelque chose qui ne va pas. La cause dit que cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux et sa justice. C'est quoi le royaume des cieux? La religion, les religieux pensent que quand la Bible dit chercher premièrement le royaume des cieux, c'est aller au ciel. Non! Ce n'est pas aller au ciel. Le royaume des cieux, c'est le gouvernement de Dieu. Quand vous lisez ce verset-là dans la Bible amplifiée, Amplified Bible, la Bible dit, cherchez premièrement la manière que Dieu opère. Alors, si tu te déclares que tu es sauvé et que tu es venu dans le royaume de Dieu, mais tu veux opérer comme si tu es en dehors du royaume, la machine ne marche pas. Quand tu es dans le royaume, tu dois renouveler ton intelligence, commence à vivre dans le principe du royaume. C'est pour cela que la conscience dit que je suis la tête et non la queue. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Cela veut dire quoi? Dieu veut tout simplement veut dire que quand tu es la tête dans un... dans un field, c'est quoi? Dans un domaine. Quand c'est toi qui es la tête, tout le monde va t'écouter. C'est ça la signification de ce verset-là. Parce que quand tu es la tête dans le business, tout le monde va t'écouter. Et tu vas imposer les principes de Dieu dans ces sphères de business. Les problèmes avec nous, nous sommes tellement religieux. Vous avez suivi déjà le message de cette montagne? Non? Ok. Je vais vous survoler fou. Je vous donne les sept montagnes. Quand la Bible dit que Dieu dit, Matthieu 24, 14, cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations afin que, avant que la fin puisse arriver. Quand la Bible parle des nations, il y a nation, nation, le mot là, nation en grec, cela veut dire ethnos. Là, on tire les mots ethniques. Dans la nation, il y a des petites nations. Amen. Dans la nation, il y a des petites nations, on peut appeler ça des montagnes. Et on a dans les sphères de la vie que nous sommes en train de vivre, il y a sept montagnes. Et les gens qui occupent, si tu veux régner, dominer sur cette terre, tu dois occuper ces sept montagnes. Et le malheur en est que l'Église s'est cramponnée seulement à une seule montagne. La montagne de la religion. Il y a une autre montagne, la montagne des médias. Il y a une autre montagne, c'est la montagne des politiques. Une autre montagne, c'est la montagne de l'économie, de business. Il y a une autre montagne, c'est la montagne des entertainment, les gens, les arts. Et quand tu regardes dans le monde où nous sommes en train de vivre, dans toutes ces montagnes-là, tu ne vas pas voir les chrétiens. Les chrétiens, nous sommes seulement dans notre montagne de la religion. Et une fois là, on devait prier pour le Parlement. Parce qu'ils devaient voter une loi pour les homosexuels. J'étais tellement fâché, j'ai dit, je ne prie pas. Pourquoi nous, au lieu d'aller occuper les montagnes, nous sommes dans notre petite montagne. Quand ils votent des lois, nous sommes en train de prier ici. Bien aimé, la chrétienté, le royaume de Dieu doit influencer le monde. Bien aimé, d'ailleurs, nous qui sommes dans le royaume, nous ne sommes pas appelés à suivre les politiciens, mais les politiciens doivent nous suivre.
Bien-aimés, nous sommes quoi? La lumière du monde. Comment tu es une lumière, mais tu ne luises pas, c'est ça? Tu n'éclaires pas. C'est pour ça même tes amis ne peuvent pas suivre Jésus à cause de toi. Parce que quand ils regardent ta vie, vraiment, c'est... Moi, venir à Jésus pour devenir comme toi. Bien-aimés, Jésus n'est pas monté à la croix. Jésus n'est pas mort afin que nous puissions endurer la chrétienté. Jésus est monté à la croix afin que nous puissions jouir de la chrétienté. Le royaume de Dieu, ce ne sont pas des slogans et ce n'est pas un royaume invisible. C'est un royaume actif, puissant, mais avec des enfants ignorants. Hier, je vous ai posé la question, quel est la plus grand ennemi de l'homme? Et je vous donne la réponse, c'est l'ignorance. Très souvent, nous lisons le verset là de Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit à cause de l'ignorance et on s'arrête là. Non, il faut continuer. La cause dit que parce que tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Tu ne seras pas mon représentant, tu ne seras pas prêtre devant moi. Cela, le mot là prêtre, cela veut dire tu ne peux pas être mon représentant. Et ce qui est bizarre, on a des représentants de Dieu ignorants. Et Dieu dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et non seulement toi, je rejetterai aussi ta descendance. Un jour, je lisais le verset, je dis, ah, mais Dieu, tu es trop méchant. Au lieu de me rejeter seulement, tu touches même à ma descendance. Et Dieu me dit, mais non, la logique est normale, tu ne vois pas. Je dis, non, je ne vois pas. Il dit, mais si tu es ignorant et que tu enseignes à tes enfants, qu'est-ce que tu vas les enseigner? De l'ignorance, acclamer le Seigneur. Donc l'ignorance sera perpétuelle. On aura une génération de gens ignorants et Dieu va rejeter tout le monde. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et j'appelle ça, nous sommes la génération de Josué. Bien-aimés, nous sommes une génération que Dieu... Je suis tellement convaincu que c'est cette génération que Dieu était en train d'attendre. Donc si tu ne crois pas, moi je crois par moi-même. Donc nous sommes une génération que Dieu a géré, que non, they are coming. Ah, ils sont en train de venir. Ils sont en train de venir. Et je suis convaincu que cette génération-là, nous sommes ici. Et nous sommes ici pour prendre, bien aimé, un roi doit régner sur un territoire. Je reprends encore. C'est pour ça même l'Église. Ce n'est pas normal de louer. Non, ce n'est pas normal. Bien, il y a d'autres mécanismes, ça ne fonctionne pas avec les principes du royaume. L'Église, vous devez acheter. Acheter. Parce que tu ne peux pas être roi sans domaine. C'est bien dit en anglais, des kingdoms. C'est-à-dire des king and domain. Il y a un king et il y a domaine. Un roi doit nécessairement régner sur un territoire. S'il n'y a pas de territoire, cela veut dire même là où tu travailles, tu dois régner. Dites amen. Même si tu es cordonnier de la rue, tu dois régner là-bas. Même si tu es infirmière, à partir de là, tu commences à régner. Parce que tu dois connaître ce que tu es devenu. D'ailleurs, quand tu parles au travail, tu parles bien parce qu'ils ont besoin de toi. Tu sais pourquoi tu n'as pas fait le travail là? Parce que quand tu pars à l'interview, tu trembles. Non, non. Quand tu pars à l'interview, tu te dis toi-même non. Non, moi je n'ai pas besoin de ceux qui ont besoin de moi. Amen. Acclamez le Seigneur. Donc je suis venu ici pour ajouter la valeur dans votre compagnie. Et tu vois les clics, c'est même un petit clic. Quand tu pars là-bas déjà, même les boss vont te dire, ah, on a besoin de toi. Même si tu ne connais rien, on va te prendre. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel. C'est en toi. Nous sommes les porteurs du royaume. Quand tu es au marché, le royaume est au marché.
quand tu es à l'université, le royaume est à l'université. Quand, donc tu n'as pas besoin, vous savez, Dieu il est Yahweh Shama, il est l'éternel présent. Dieu n'a pas besoin d'aller ni de venir, il est présent. Cela veut dire que Dieu regarde ton passé ici, il regarde ton présent ici, il regarde ton futur ici. C'est ça le Dieu que nous sommes en train de servir. Le gouvernement de Dieu. Cherchez premièrement le gouvernement de Dieu et comment Dieu fonctionne. Et toutes ces choses-là, toutes ces choses vous seront ajoutées. Hier, je vous ai dit, c'est pour cela, la prospérité, ce n'est pas l'évangile. La guérison n'est pas l'évangile. Toutes ces choses-là, ce n'est pas de l'évangile. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. Et c'est l'unique et le seul évangile que Jésus a prêché. Le seul message, cela veut dire quoi? Quand tu es dans le royaume, la prospérité est là. Quand tu es dans le royaume, la guérison est là. Quand tu es dans le royaume, le mariage est là. Quand tu es, donc tout ce que tu cherches, c'est pour ça dit chercher comment? Non, secondement. Et avant vous pensez que non, et c'est pour aller au ciel. Cherchez premièrement le gouvernement de Dieu et comment Dieu travaille, et il faut être juste dans le gouvernement et toutes ces choses. Et il dit ceci, toutes ces choses là c'est les païens qui cherchent cela. Toi tu n'as pas besoin de chercher ces choses là les choses là vont te chercher. Quand tu es, dis à ton voisin, sois seulement dans le royaume. Quand tu es dans le royaume, Roger Mila m'appelle. Qui connaît Roger Mila? Vieux Roger. Je sais que beaucoup de vous n'étaient pas encore nés à l'époque. Il y avait un mondial, je crois, mondial 86. Roger a fait tellement, il avait fait tellement des exploits. Il était sorti même le meilleur joueur de ce mondial-là. Alors, après le mondial, on l'interview. Et parmi les questions, on lui a posé une question. Il dit, mais comment tu as fait pour épater dans la Coupe du Monde? Et la réponse qu'il a donné, la réponse qu'il avait donnée, cette réponse est restée dans ma vie. Roger a dit ceci. Quand j'ai le ballon et que j'entre dans la surface de réparation, le rectangle là. Il dit, quand j'ai le ballon et que j'entre seulement là, dans le carré là, je deviens calme. J'ai dit, wow, ça c'est anormal. Parce que j'ai joué aussi, parce que je sais que quand tu es un joueur, quand tu as le ballon, quand tu entres dans le rectangle, tu deviens anormal. Tu commences à paniquer. Il y a des joueurs ici. Tu commences à paniquer. Non, il faut que je fasse la passe. Je dois tirer. Donc, tu es bouleversé. Mais Roger dit que quand j'entre, Kumbaya. Acclamez le Seigneur. Roger dit, quand j'entre seulement dans la surface des réparations, c'est là que je deviens très tranquille parce que je sais, si tu me touches, penalty. Ah! Il dit, je sais. Donc, dès que j'entre, je dis, tout est accompli. Parce que tu me touches seulement ce penalty. Bien-aimé, je ne parle pas de Roger, je parle de toi. Entre seulement dans la surface des réparations. Ah, entre seulement dans le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Dieu te dit, entre seulement dans le royaume. Comprends comment le royaume fonctionne. Utilise les principes du royaume. Toutes ces choses-là vont te suivre. Amen. Au lieu que toi tu puisses suivre les choses, c'est pour cela maintenant tu es dans la dépression. C'est simple. L'évangile est simple. Mais nous le compliquons tellement. Le problème, l'homme veut sentir quelque chose. Vous savez pourquoi il y a des pasteurs escrocs aujourd'hui?
à cause de vous, les fidèles. Parce que si je viens seulement, que je dis, c'est toi ici, je viens avec ça de l'Australie. Vous voyez, c'est toi ici, j'ai pris ça là où les aborigènes vraiment étaient. Donc, les aborigènes, ils ont béni cet eau. $1,000. Vous allez courir, même il y aura des blessés ici. Mais quand je viens ici, je vous dis, ok, on a un projet ici, donner l'argent. Tu commences à regarder dans les compter les lumières comme si tu n'es pas concerné. C'est pour ça que les pasteurs doivent chercher des voies et moyens pour te faire soutirer de l'argent. J'étais aux États-Unis, on me rencontre l'histoire d'un serviteur de Dieu, peut-être vous le connaissez. Il est parti aux États-Unis, il a tiré une chaise, il s'est assis, et puis il s'est mis debout, il dit, $1,000, si tu t'assois ici, tu deviens millionnaire. Il y avait une queue. Alors j'ai demandé, il y a eu combien de millionnaires? Oh, on attend toujours. Entre dans le royaume. Cherchez premièrement le gouvernement de Dieu et comment ce gouvernement fonctionne et sois juste dans le gouvernement. Toutes ces choses. Hier, je vous ai dit, je l'ai dit toujours, qu'il y a d'autres prières que moi, je ne fais plus dans ma vie. Quand tu comprends comment le gouvernement fonctionne, comme je dis, c'est anti-biblique de prier pour l'argent. Non. Je suis arrivé dans ma vie, là où je suis arrivé, je ne vais pas vous dire là où je suis arrivé, mais comprenez seulement que je suis arrivé quelque part. À cause. Respirez bien. Parce que les gens, je prêchais une fois quelque chose, ce genre de message, on va faire l'appel de fond. Je ne fais pas l'appel de fond. Donc respirez. Soyez normal. Bien aimé, tu es très petit pour soutenir le royaume de Dieu. Je vais reprendre encore ce que je viens de dire. Tu es trop petit pour soutenir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas. Donc quand tu soutiens le royaume de Dieu, tu te soutiens toi-même. C'est comme ça la vérité. Voyez seulement l'image d'Élie avec la veuve de Sarepta. La veuve pensait qu'elle soutenait Élie, n'est-ce pas ça? Parce qu'elle a demandé le pain et l'eau. La veuve a dit, je n'ai rien. J'ai seulement ce qui reste, moi et mon fils, on va manger pour on va mourir. Et la veuve pensait qu'elle soutenait Élie. Or, elle se soutenait elle-même. Parce que sa survie dépendait d'Élie. Dans notre église, vous connaissez la plupart, les gens de cette église connaissent le pasteur Peter Bondole. Quand je suis arrivé en Australie, j'ai commencé à travailler avec Pasteur Peter. Il n'était pas payé. L'église était petite et tout ça, bon, on priait tout ça. Un jour, je lui ai demandé, tu vis comment? Oh non, bon, par la foi seulement. J'ai dit, ça c'est anormal. Quand Pasteur Peter vient ici, il faut poser des questions. C'est que parce qu'avec moi et Pasteur Peter, on discute sérieusement. Je lui ai dit, j'ai attrapé les grands sorciers dans l'église. Il dit, c'est qui? J'ai dit, c'est toi. Parce que tu bloques nos bénédictions. Cherchez premièrement le royaume et comprenez comment ce royaume fonctionne. J'ai dit, même si dans cette église, il n'entre que $10, on doit te payer même $2 parce que nous avons besoin d'être bénis. C'est comme ça qu'on a commencé à le payer. Il y a eu des moments dans ma vie, mon temps est fini. Il y a eu des moments dans ma vie, je suis en train de parler du royaume. Vous savez, il y a des moments, même pour donner l'offrande, tu sens même toutes tes côtelettes sont en train de crier. Tu n'arrives même pas à respirer.
mais tu cherches le royaume. Donc aujourd'hui, vous avez compris, chercher le royaume, ce n'est pas aller au ciel. On donnait, on ne travaillait pas, mais on donnait. Donc les choses que je suis en train de vous dire, si je suis en train de mentir, que Dieu me maudisse. Nous avons acheté notre première maison sans argent. Sans argent. Sans. Il faut que je revienne pour donner le témoignage là. On achète la maison, la première banque de l'Australie, Commonwealth Bank, a fait une erreur. Une erreur. Vous savez, quand vous achetez la maison, tu dois donner les 10%. Nous, on n'avait pas les 10%. On cherchait, on ne trouvait pas 10%. Mais bien aimé, pendant la crise, ta semence va parler, dit amen. Pendant que tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, ta semence devant l'Éternel parlera. Long story short. Les jours qu'on devait finaliser les papiers, tout ça, on n'avait pas les 10% pour payer. La banque nous appelle. Oh non, d'après les calculs, vous ne devez pas payer le montant là. Vous allez, estimons. C'était 10 000 euros. Oh non, ce n'est pas 10 000 euros, c'est 7 000 euros. Même les 7 000 là, on n'avait pas. Le lendemain, la banque appelle. Oh non, ce n'est pas 7 000. Non, c'est 5 000. Rabbi Nzambe, qu'il descende seulement à 0 000. Jusque la banque est arrivée, parce qu'on est parti demander à d'autres, non, les bien-aimés, de nous donner l'argent pour mettre dans les comptes, pour que la banque puisse voir qu'il y a quelque chose dans le compte. Et le montant qui était dans les comptes, notre part, c'est ça le montant que la banque a dit, non, c'est le montant ici que vous devez payer. Je dis, wow. Avant cela, Mark Modoc. On suivait Mark Modoc dans TBN. Il faisait fundraising. On se regarde avec ma femme, on était vraiment interpellés à l'appel de fonds là. $1,000. Quand je parle $1,000 là, donc si tu es dans le moins, tu es dans le moins. On prend notre credit card. On a participé $1,000. Quand la banque a dit que non, c'est tel montant que vous allez payer, nous sommes partis, nous on a signé les documents, on nous a remis les clés de la maison. Nous sommes venus, nous avons bougé, nous sommes entrés dans la maison. Une semaine après, la banque appelle. Oh non, on avait commis une erreur. Vous devez payer les 10 000. Mais comme l'erreur vient de nous, oubliez seulement. Ah! Il est le Dieu de tout à coup. Ah! Je l'appelle le Dieu de tout à coup. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. Il est le Dieu aux œuvres de... Il a les pieds chidis dans l'impossibilité. Cherchez premièrement quoi? Tu fonctionnes à l'inverse. Toi, tu cherches d'abord tout. Au lieu de commencer là où Dieu te dit. Vous savez, Dieu, quand il parle. Il ne va pas venir pour débattre avec toi. Jusqu'à ce que tu vas partir avec ta tête dire là. Tu pars, tu traverses le premier coup, le deuxième coup, le troisième coup, jusqu'à ce que tu vas comprendre, rentrer au point initial. Et Dieu t'attend toujours là. Dieu fonctionne comme dans le système du Congo. Au Congo, tu ne montes pas de classe. Si tu ne passes pas, tu recommences. Chez nous, en Australie, même si tu ne réussis pas, tu pars. Je ne sais pas quel évangile nous sommes en train de prêcher. J'ai dit,
la fin n'arrivera que si l'évangile du royaume est prêché. Bien-aimé, il y a 6 montagnes qui nous attendent. On a besoin des gens qui puissent occuper les Hollywood pour imprégner la valeur de Dieu, la crainte de Dieu. On a besoin que les gens puissent devenir des présidents de la République. On a besoin des gens qui puissent occuper les médias. Et devinez que si maintenant un chrétien, il est le boss de CNN, on va commencer à passer free. N'est-ce pas ça? Aujourd'hui, tous les médias critiquent les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont entre eux. Et maintenant, nous sommes en train de prier pour les médias. Oh, Dieu nous attend pour monter dans la montagne des médias. Posséder les médias. Bien-aimés, je suis en train de conclure. Vous savez que nous sommes dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais vous savez que la nouvelle alliance, vraiment, nous sommes en train d'échouer. On a échoué. L'ancienne alliance a produit les hommes les plus riches du monde de ces temps-là. Vous savez cela? Oh, nous sommes dans l'alliance la plus meilleure qui existe. Mais regardons-nous. L'alliance la plus excellente. Regardons-nous. L'ancienne alliance. Abraham était l'homme le plus riche. Il était le Bill Gates de son temps. Job, il était le Bill Gates de son temps. Isaac, il était le Bill Gates de son temps. Jacob, il était le Bill Gates. Bon, traversons maintenant dans la nouvelle alliance. Traversons maintenant la nouvelle alliance. Nous sommes où? Nous sommes où? Tellement que nous sommes en train d'échouer et maintenant on commence à tordre les écritures. Yes. Oh, l'argent c'est démoniaque. N'aimez pas. D'ailleurs, la Bible dit n'aimez pas le monde et les choses du monde. Mais il faut bien lire les écritures. Quand la Bible parle du monde, la Bible ne parle pas du monde de terre. La Bible parle du monde système. L'argent, la Bible dit l'argent c'est les racines de tout le monde. Non, faut bien lire l'amour de l'argent. Faut pas retirer. Vous allez comprendre après. Oh, l'argent, c'est la racine, mais les racines. Yeah. L'argent, c'est démoniaque. La Bible dit que c'est la racine de tout le monde. Non, ce n'est pas écrit dans la Constitution. Non. La Constitution dit que l'amour de l'argent. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas servir Dieu et l'argent, mais tu peux servir Dieu avec ton argent. Acclamez le Seigneur. Mais il y a d'autres choses qui m'énervent maintenant dans la chrétienté. Pourquoi? Ok. Si le PDG de Renault, marque Renault, votre voiture ici Renault, si son PDG, on vient de nommer un nouveau PDG, maintenant on doit aller chercher une voiture pour le PDG, on va aller où? On va chercher quelle marque de voiture pour le PDG. Quelle qualité? On nomme un pasteur ici. Il n'a pas les véhicules. On doit aller chercher un véhicule. On va aller dans le second hand. Second hand, c'est quoi? Voiture d'occasion. Et puis une voiture là qui fume sérieusement. Il y a d'autres voitures, tu as vraiment besoin de la foi avant que ça puisse démarrer. C'est dans ce genre, c'est là qu'on doit aller chercher pour l'homme de Dieu. Mais au même moment, c'est l'homme de Dieu qui prie pour le PDG. Oui.
on est twisté, on est la religion nous a tellement malmenés. Si on doit aller chercher les micros ici, vous savez tous les sous-passants, les micros seulement un micro de $2,000, $5,000. Mais si on, à l'église on a besoin des micros, on doit aller chercher les micros de 200 euros. Donc vous pensez que Dieu est inférieur au diable. C'est ça. Dieu n'a pas besoin de l'excellence. Dieu dit dans l'Ancien Testament, si ton bœuf est handicapé, il ne faut pas l'amener. Acclamez le Seigneur. Maintenant, toi, tu amènes des offrandes handicapées dans l'église. Bien-aimé, le plus grand test que tu vas passer dans ta vie, pour, dans le plan financier, c'est de marcher en dehors de l'argent. Parce que Dieu, c'est pour ça que les gens discutent la dîme. Je ne discute plus la dîme. Oh, pasteur, il faut donner, on doit donner la dîme. Oh, la dîme, c'est l'Ancien Testament. Je ne suis plus dans ce débat-là. Quand on me pose la question, je dis, est-ce que tu me vois? Je paye ma dîme. Si tu ne payes pas ta dîme, Kumbaya, tu vas aller au ciel. Mais il y aura une différence sur la terre. Il y aura une différence sur la terre. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est Dieu veut localiser ton cœur. C'est tout simplement la simple définition de la dîme. Dieu veut trouver, Dieu veut voir ton cœur est où. C'est où? Où est ton cœur? Dieu n'a pas besoin de te 10%. C'est d'ailleurs c'est lui qui t'a donné les 100%. Dieu veut seulement veut faire les sondages. Vous savez, dans les disciples de Jésus-Christ, on devait avoir le nom d'un petit là. Les petits riches. Vous savez? Les jeunes riches. Il est venu voir Jésus. Il a parlé, comme il parlait beaucoup. Jésus lui dit, va, vends tout et suis-moi. La constitution dit ceci. Il était tellement riche. Il avait tellement beaucoup de biens. Il est parti. Posons-nous la question, est-ce que vraiment Jésus avait besoin de son argent? Non, Jésus voulait seulement localiser son cœur. Est-ce que tu m'aimes plus que tes biens? Est-ce que tu m'aimes plus que ton argent? C'est ça. La dîme, c'est la location de ton cœur. Est-ce que tu m'aimes plus? Ça, ce sont des principes du royaume. Si vous comprenez ces principes, l'argent va vous commencer à suivre. Donc, je vous parle des choses que je suis en train de parler. Ce n'est pas seulement que je lis ça, je suis en train de vivre ça. Parce qu'il y a d'autres témoignages, je ne peux pas témoigner ici, sinon il y aura beaucoup de jaloux. Je cherche comment dire ça en français, mais je n'arrive pas, ça vient seulement en anglais. If you can walk away from money. If, c'est pas tellement ça. C'est pas, if you can walk away. Cela veut dire, donc, de te détacher. Very close. De te détacher. C'est pour cela, c'est, regarde ta vie. Il y a des gens qui travaillent de lundi à dimanche. Ils travaillent. Vous allez voir des familles. Le papa travaille. La maman travaille. Les enfants travaillent. Même les chiens travaillent. Les chats travaillent. Tout le monde travaille. Vous n'arrivez toujours pas à vous assentir. Tu travailles overtime, undertime, around the time. Mais tu n'arrives pas à acclamer le Seigneur. Or la dîme, c'est le quick way. Parce que il y a d'autres choses. Bon, je dis ça et puis je vais me taire. Et la Bible dit quand tu fais l'aumône, il ne faut pas dire. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres choses, il faut dire.
dans notre église là, on est en train de faire un fundraising pour acheter un bâtiment. Parce que ça faisait des pressions. Alors Dieu m'a dit, faut pas donner. Dieu dit, ne donne pas. J'étais calme. Et je sais, quand il faisait des pressions, il me regardait. Moi, je regardais comme ça. Un dimanche, j'étais là. Il a fait l'appel. Je me suis levé, j'ai pris le micro. J'ai dit, Dieu m'a dit de ne pas donner. Parce que, à commencer par vous-même. Et tous les membres, vous ne croyez pas que Dieu peut faire quelque chose si nous commençons à donner. Et si vous devez avoir, on doit se repentir, à commencer par la tête, on doit donner, parce que les gens ont fait des pledges. C'est quoi pledge? Des promesses. Yeah. Alors tout le monde était d'accord, oui. Nous sommes vraiment décidés qu'on doit acheter le bâtiment. J'ai dit, maintenant je vais donner. Et j'ai donné 50 000 $. Cash. Acclamez le Seigneur. Comment je suis arrivé à donner 50 000 cash, moi qui dormais dans les ascenseurs en Afrique du Sud? C'est le royaume. Quand tu découvres le royaume, toutes ces choses vont te suivre. J'ai dit, c'est quand tu découvres le royaume. Moi, j'ai dormi dans les ascenseurs en Afrique du Sud. On se réveille le matin, tu n'as rien à manger, tu prends. Vous connaissez les mayalobo? Dans l'eau, tu mets le sucre, tu tournes et puis tu bois et puis la journée passe. C'est comme ça. Mais pendant tout ce temps-là, si tu reçois même 10 rands, tu enlèves un rand et tu donnes à Dieu. Dieu paye toujours. Que Dieu vous bénisse.